6 ans qu'il l'attendait, hein, ce retour dans l'élite. Et vous l'avez vu, ils l'ont amorcé de la plus belle des manières. Les Neuchâtelois, Loïc Refait et Sébastien Clément les ont marqués à la culotte. On découvre leur reportage. 9h, le calme règne aux alentours de la Maladière. Le bus est là, le staff se réunit pour entamer une journée particulière, presque historique. Xamax fait son retour dans l'élite, fin prêt. Ces premiers matchs de championnat, que ce soit en Challenge League ou dans toutes les ligues, il y a toujours un petit peu les repères qui manquent, on ne sait pas exactement où on se situe, puis là encore plus puisqu'on passe de... On saute un niveau, donc voilà quoi. Mais je pense que là, il n'y a pas de problème. L'équipe, elle est prête, en tout cas physiquement, techniquement, tactiquement, il n'y a aucun souci. Puis mentalement, je pense aussi que les gars, c'est quand même une équipe d'expérience, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Les Rouges et Noirs prennent la direction de Lucerne sous une pluie battante, un déluge, peut-être un signe. Après une halte pour se restaurer, l'équipe débarque à la Suisse Sport Arena. Le président attend son groupe. Je les sens sereins. Je suis sur des castels sereins, mais m'apaisant. Conscient que ça va être une tâche difficile, mais il n'y a pas de panique. Et puis, on a fait une excellente préparation. Et c'est ce que j'ai déjà répété, ils ne peuvent pas venir mauvais en un mois. On peut perdre, mais on va pas. Je vois pas de drame, à l'horizon en tout cas. Aucun drame que la magie du moment.